Anne Hidalgo, réélue à plus de 50% dans des bureaux de vote désertés, une participation à seulement 24%, donc une abstention à plus de 75%, c'est l'image de ce second tour des élections municipales 2020 à Paris. Et justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qui a voté pour Anne Hidalgo. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. La femme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué. Il y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Anne Hidalgo, cette ex-apparatchik PS aujourd'hui décriée dans son propre camp. Je cite un élu socialiste qui a tenu à garder l'anonymat. Il se dit sidéré par tant de prétentions. Je cite également un ministre du gouvernement Valls sous lequel elle exerçait sa première mandature. Anne Hidalgo se vit comme une icône mondiale et nous traite de clampins incapables. Elle a perdu tout contact avec la réalité. Je cite un maire d'arrondissement. Comme elle est ennuyeuse, dit-il en parlant d'elle, personne ne l'écoute. Il faut se méfier des préjugés de l'époque. Et pendant plusieurs décennies, on a dit, on a entendu, on nous a dit à Paris qu'il fallait laisser faire les marchés, il fallait laisser la liberté totale au marché, comme si un marché sans entrave et sans régulation, ça faisait le bonheur des peuples. Delanoë, au moins, hein, c'est un maire de droite évidemment, mais même de droite, il disait Delanoë, au moins, avait de l'autorité, du talent et un peu d'éducation. Elle n'a rien de tout ça et sombre dans l'autoritarisme comme une maîtresse d'école incapable d'obtenir le silence dans le brouhaha. Voilà. Qui a bien pu voter pour Anne Hidalgo? Est-ce toi, Christophe? Est-ce moi, Stéphane? Nous le découvrirons donc en fin de vidéo. Et je vous révélerai deux combines comptables qui lui ont permis d'équilibrer artificiellement les comptes de la ville de Paris, largement déficitaire. Hein, la ville de Paris est endettée jusqu'au cou. Ces astuces, je les ai découvertes dans le livre « Notre drame de Paris », coécrit par Nadia Lebrun et l'autre, j'oublie toujours son nom, Emmerich, Aimé, je sais plus quoi. J'en suis presque tombé de ma chaise. Hein, vraiment, j'en suis tombé à la renverse, donc ne les manquez pas. Vous vous coucherez comme moi, c'est-à-dire moins bête. Alors, il y avait deux façons de répondre à la question qui a voté pour Anne Hidalgo, puisque manifestement, ça n'est ni Christophe ni moi. C'est peut-être tes amis, non? T'as des amis qui ont voté pour Hidalgo? Non. Moi, zéro. Moi, non. Personne ne pouvait la blairer, personne ne croyait à sa réélection. J'étais un des seuls sur Twitter à dire « Vous allez voir, vous allez être surpris, ça va faire comme Macron ». Il était prêt à être décapité l'an dernier et vous allez voir que ça peut très bien repasser. Donc il y avait deux façons, disais-je, de répondre simplement à cette question. Il y avait la façon trop simple qui aurait été de vous copier l'écran du site Le Monde avec le coquelicot, plutôt l'escargot des arrondissements parisiens et puis la fraction bicolore, hein, rose à droite et bleu à gauche, et de vous dire, ben regardez, voilà, comme d'habitude, comme à chaque élection, il y a plus d'électeurs à gauche, pas rive gauche, parce que la rive gauche est en bas, mais plus d'électeurs de droite du côté ouest parisien, etc. etc. Mais premièrement, bon, ça ne vous apprend rien. Deuxièmement, c'est la même chose à chaque élection. Et troisièmement, c'est plus une tautologie qu'une explication, parce que dire qu'elle a gagné parce que plus de gens votent pour elle ne me semble pas suffisant. Ici, on fait le boulot, hein, avec Christophe, sosie officiel de Nicolas Karabatic. On bosse, on s'emmerde, on se lève tôt, on se couche tard, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Un peu entre couilles, hein, il manque un peu de présence féminine pour nous apporter le café, mais bon, on a essayé, et on a eu des problèmes, comme disent Chevalier et Las Palès. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. On a essayé, hein, on a pourtant accueilli, je pense, avec toute la bonne volonté du monde et du café chaud, mais bon, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas suffi. Si vous voulez candidater. La façon simple, c'est pas pour nous. Nous, on fait le taf, on repart de la base, on reconstruit la séquence historique l'ayant amenée là où elle est, et on se demande qui est Anne Hidalgo. Alors, en 2001, Christophe, tu étais tout petit, et je ne sais pas si tu jouais déjà au hand à l'époque et si tu t'en souviens, mais en 2001, les socialistes n'avaient pas vu la mairie de Paris depuis très, 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 très longtemps.
puisque la droite, enfin la droite, comme il est convenu de l'appeler la droite, bon, la droite, centre-droit, machin, RPR, UMP, tout ça, la tenait depuis 1977. Hein, la séquence Chirac-Tibéri a tenu la ville de Paris depuis 1977. En 2001, les socialistes sentent le vent tourner et l'opportunité arriver. Les Fabiusiens poussent Jacques Lang. Les Jospinistes poussent Bertrand Delanoë. Donc déjà, quiconque voit une petite coïncidence entre les deux candidats me la met en commentaire. Moi, je ne la vois pas. Comme tête de liste dans le 15e, Fabius impose son ancienne conseillère qui s'appelait, on s'en fout, tout le monde l'a oublié, s'appelait Berès. Et le clan Jospin a dû donc répliquer en poussant évidemment une femme pour être bien vue, pour être dans le progrès, pour être dans la modernité. Et puis comme elle ne se bousculait pas au portillon, eh bien il demande conseil à Tata Martine Aubry, qui nous sort de son chapeau Anne Hidalgo. Et en plus, ça rythme. Depuis 1998, Anne Hidalgo était directrice adjointe au cabinet de Nicole Perry en tant que, je te le donne en mille, comme Marlène, secrétaire d'État aux droits des femmes. Enfin, à l'époque, ça s'appelait droits des femmes et pas égalité femmes-hommes. Puis en 2000, conseillère technique au cabinet de Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux. En 1999, elle divorce de son mari communiste pour décrocher la tête de liste socialiste du 15e arrondissement. Cette nomination sonne le départ de sa carrière politique. Ceux d'entre vous qui sont totalement extérieurs à ce milieu politicard n'ont peut-être pas conscience du coup de bol monumental qu'il faut pour passer d'une carrière civile à une nomination en tant que tête de liste. Ça ne se fait que si une grosse main poilue venue d'en haut, hein, je ne parle pas forcément de celle de Martine, quoique, Martine, elle n'est pas assez haut hein, pour nommer tête de liste socialiste Anne. Il faut qu'une grosse main poilue, comme celle de Christophe, un petit peu, ou la mienne, vous vienne comme un pion, comme une marionnette, vous asseye sur le siège. Hein, sinon, la porte reste fermée. Et comment s'appelait cette grosse main veule et poilue qui, en 2001, a permis à Anne Hidalgo de faire le grand saut? François Hollande, voilà. Bon, il triche parce qu'en fait, on a répété avant. Hein. Ne fait pas le... Là, il a voulu vous faire croire qu'il avait une culture politique phénoménale. Et oui, c'est François Hollande qui l'a donc imposé à la force du poignet. Et Dieu sait qu'il est fort, son poignet. Et pas que son poignet d'ailleurs, puisqu'on disait d'ailleurs que François Hollande pouvait être potentiellement le père de l'enfant qu'elle portait. Hein, parce que 2001, elle était enceinte. Et la rumeur a couru, comme disait Coluche. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Dans les milieux autorisés, on s'autorisait à penser que Hollande avait peut-être fait don de sa personne. Et à ce jour, la rumeur n'a jamais vraiment été démentie. Alors, Hollande qui d'ailleurs, curieusement, ne lui refusera ensuite plus jamais rien hein, pendant tous ses mandats, que ce soit comme premier secrétaire ou comme président de la République, il cédera à tous ses caprices un petit peu comme si elle avait des dossiers sur lui. C'est quand même bizarre comme coïncidence. Bon. Alors, 2001 toujours, elle se retrouve face à une tête de liste UMP rassemblée autour d'Edouard Balladur et du maire sortant du 15e. Hein, rappelle-toi, son clan... C'est le 15e à Paris, elle est battue au second tour, mais alors là, par la magie du scrutin de liste, pardonnez-moi les chatons, je n'ai pas creusé la combine élective, la combine juridique permettant à quelqu'un qui est battu de passer quand même. Et je sais qu'il y en a une, mais j'avoue que je n'ai pas creusé. Je me rattraperai en fin de vidéo en vous expliquant les combines administratives et comptables permettant à un pari surendetté de sembler à l'équilibre. Là, je ne l'ai pas. Si vous l'avez en commentaire, vous le dites. Magie ou arnaque, comme vous voulez, du scrutin de liste, elle est élue conseillère du 15e et entre donc au prestigieux Conseil de Paris. Bertrand Delanoë la nomme alors première adjointe, je l'ai dit, de l'égalité. Première adjointe et chargée de l'égalité homme-femme. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est également chargée d'un bureau fantôme qui s'appelle le bureau du temps, où personne ne sait, n'a jamais su ce qu'elle avait fait. Et emploie donc potentiellement, hein, au conditionnel, tu nous connais Christophe, nous on a peur de rien sauf de la censure, donc on met tout au conditionnel, hein. Potentiellement poste fantôme et potentiellement cumulé avec son titre, son statut, son emploi de l'époque, hein, car elle n'a jamais cessé officiellement d'être inspectrice du travail en titre, elle avait un DEA je crois de droit social ou quelque chose comme ça, cumul de fonctions, révélé par le magazine Capital en 2017, mais c'était un petit peu tard. Quand la justice a tenté de l'inquiéter, il y avait prescription. C'est pas de chance. Ça tombe bien quand même.
Elle s'installera durablement, et là c'est le premier fait marquant de cette vidéo, donc il s'agirait peut-être de nous mettre un peu des tambours et des trompettes, peut-être une petite musique de fond, quelque chose, on verra. Elle s'installera durablement dans le paysage politique municipal, tout du moins, en 2002, lors d'une certaine nuit, dont tu te souviens peut-être, Christophe, que s'est-il passé pendant la nuit blanche 2002, hein, je rappelle le contexte, Delano Wayne était aux manettes. Tu remarqueras d'ailleurs que, on y reviendra dans le chapitre consacré à la neuve langue, les socialistes ont réécrit le langage, et depuis Jospin, fin des années 90, on utilise beaucoup plus les expressions « être aux responsabilités », ou dans le langage populaire « être aux manettes », qu'être au pouvoir. Hein. Toujours des subtils glissements sémantiques qui, en réalité, mettent une dizaine ou une quinzaine d'années à germer, et puis nous changent une sociologie, et puis nous changent nos élus. Eh bien, la nuit blanche 2002... Pour le maire de Paris, la nuit a débuté dans une ambiance festive. Sans garde du corps, comme à son habitude, Bertrand Delanoë va d'un lieu de fête à l'autre. Peu avant 2h30 du matin, retour à l'hôtel de ville, depuis le début de la soirée, la foule se presse dans les salons. Le maire, voyant que ça avait un tel succès, il avait souhaité aller voir le PC de sécurité pour s'assurer que tout se passait bien. Et à ce moment-là, vous savez, vous marchez, vous parlez, et puis tout d'un coup, j'ai vu le maire tomber. C'est la nuit où Bertrand Delanoë s'est fait planter une lame dans le ventre. Alors évidemment, pas par Jean Célestin, ni par Georges Édouard, ni par Stéphane Édouard, mais par Azzedine Berkane, hein, à ne pas confondre avec Zinedine Zidane. Il y en a un qui était une chance pour la France, et l'autre un petit peu moins. Et ce qui est symbolique, d'ailleurs, et ce qui est presque tragique, et ce qui aurait beaucoup plu à ma désormais idole Jean Raspail, dont je suis au deuxième roman, hein, après Le Camp des Saints, je lis en ce moment Les Sept Cavaliers, eh bien, Azzedine Berkane a planté son cran d'arrêt dans le bide de Delanoë au milieu de la nuit, à 2h du matin, donc vraiment au cœur d'une nuit blanche, que Delanoë avait voulu, je cite, « comme le symbole d'un Paris ouvert à tous les vents ». Donc Anne Hidalgo, qui poursuit aujourd'hui une politique promigratoire délétère dont on voit les effets réels, mesurables, quantifiables, sur les quartiers du nord et du nord-est parisien, notamment les fameuses portes qui sont désormais infréquentables quasiment de jour et de nuit, Porte de la Chapelle et compagnie, eh bien cette double mandature, hein, ce 12 ans minimum qu'elle passera à la tête de Paris, elle le doit à une petite porte d'entrée, à une petite opportunité qu'elle a su exploiter lors d'une tentative d'homicide du maire sortant, enfin du maire entrant qui vient d'entrer, par un migrant, à l'époque on ne disait pas un migrant, on disait un immigré clandestin, désormais on dit un migrant, qui, je cite, n'aimait ni les politiques ni les homos. Donc si ça, cher Jean, ça n'est pas symbolique, si ça, ça n'est pas un fait porteur d'avenir, si ça, ça n'est pas tragique, alors je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors en parlant évidemment de son parcours politique, on ne pouvait éviter de rappeler qu'elle a toujours, au bon moment, su aller poser le genou qui va bien, genou à terre, en Terre Sainte. Hein, petite sous-partie pour rappeler que dès qu'il y avait un voyage à Tel Aviv ou dans les parages, elle était de la partie. Voyage officiel, respectivement, pour les victimes de la tuerie de l'Hypercacher... Ilan Halimi, les victimes de l'école de Toulouse, le tout accompagné par la délégation d'élus de la mairie de Paris, parmi lesquels Klugman, Heidenbaum, tout ça, ça vient du CRIF, de la LICRA. Je la fais ou je la fais pas, la blague? Je la fais pas? Non, c'est mieux. On s'en garde? On se la garde pour nous. On se la garde pour nous, voilà. On se la fait hors antenne. Elle déclarera d'ailleurs sur I24 News, la chaîne de Patrick Drahi, que l'histoire de Paris est façonnée par la communauté juive et que l'âme juive imprègne notre ville. Voilà. Donc, plus fort que Manuel Valls, Anne Hidalgo, Manuel Valls, il est attaché, elle est imprégnée. Tu vois, c'est la différence homme-femme. L'homme est attaché avec la menotte, tu vois, puis la femme, elle est imprégnée de l'intérieur, quoi. Ça pousse en elle, tu vois. Autre marotte de ses nombreux voyages en Terre Sainte, la fascination pour la communauté homosexuelle. Je cite, une ville doit être gay-friendly, une ville monde, pardon, doit être gay-friendly, c'est-à-dire libre et tolérante, attirer les jeunes et la créativité. Alors, sais-tu pourquoi Anne Hidalgo ne cesse de répéter ces éléments de langage, Paris-ville-monde, Paris-ville-monde, Paris-ville-monde? A priori, on pourrait dire Paris-ville-France, oui. Paris-capitale-France. Non, c'est pas capitale de la France, c'est une ville-monde. Sais-tu pourquoi?
parce qu'en réalité, Anne Hidalgo n'est pas que maire de Paris, elle était ou est, 2016 plus 3 ans, ah ça vient de finir, jusqu'à l'année dernière, elle était présidente du C40. Et le C40, je l'ai appris pas plus tard que ce matin, c'est le Cities Climate Leadership Group, un réseau créé en 2005 dont le siège est à Londres et qui rassemble combien de métropoles ? Le C40 ? 40. 85 métropoles. T'es pas assez souple sur tes appuis, tu vois. C'est ça. Je te fais une feinte de corps, je t'emmène à droite, hop, hop, tu vois. C'est carabatique, mais que au niveau de la barbe, hein, parce qu'une feinte de corps comme ça, carabatique, il l'a décelé. Hein. Donc le C40, on ne sait pas pourquoi C40, parce qu'en fait, c'est 85 métropoles soucieuses de l'environnement. Elle avait déposé sa candidature comme leader des maires les plus influents pendant les Jeux Olympiques de Rio. Et sais-tu sur combien de candidates elle l'a emporté? Elle était toute seule, comme quoi. Voilà, c'est ça. Encore, moi, j'en reviens pas de tout ça, mais encore une fois, je vous renvoie au livre de Nadia Lebrun, Notre drame de Paris, hein, tout est sourcé, pour ceux qui veulent creuser. Et alors, elle s'enorgueillit, elle se targue, que donc, elle représente ces 85 villes influentes, elle représente donc 650 millions de personnes, c'est-à-dire 10 fois la France, ce qui peut expliquer au niveau de sa psychologie qu'elle ne se sente plus pissée lorsqu'elle se compare à un député, par exemple, qui ne représente que 60 millions d'habitants, et encore que ceux qui ont voté pour lui, donc que une fraction de la partie active, hein, c'est-à-dire si tu enlèves l'abstention, etc., un député ne représente finalement que quelques centaines de milliers de personnes, elle représente 650 millions de personnes, et 25% du PIB mondial. C'est un chiffre, c'est un fait, il faut le savoir. That's a fact, comme on dit en anglais. Alors c'est vrai qu'elle est peut-être la chef de 25% du PIB mondial, ce qui pourrait expliquer qu'elle a un peu la grosse tête. Par contre, il faut lui rappeler que 25% du PIB mondial, c'est également 75% des gaz à effet de serre. Donc à un moment, ça, elle s'en targue un petit peu moins. Hein, quand on veut présider, régner, diligenter comme ça 650 millions de personnes, bah, ça veut dire qu'on a un peu également le plus gros pollueur de la planète. Bon, évidemment, c'est une question d'appréciation et c'est une question de formulation, hein, comme toujours. On y reviendra dans la partie consacrée à la novlangue. J'ai fait un choix éditorial à ce stade, Christophe, c'est que j'ai éliminé l'une des trois mamelles qui ont conduit au vote Hidalgo, la mamelle écologique. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé très récemment, tu te souviens, c'est toi qui l'as monté. Oui. On a fait 52 minutes sur l'automobile. Pour ces raisons-là, je vous dispense d'une de mes autres lubies, qui est l'ânerie de la clôture des voies sur berge, aussi appelée les quais bas, parce qu'il y a deux quais de Seine, tu connais Paris, il y a les voies sur berge, c'est en fait quand tu longes la Seine quasiment au niveau de l'eau, et puis en fait tu as les quais hauts, qui sont les quais piétons. J'avais très très envie de vous dire, mais je ne vous le dirai pas, figure de style, prétérition, je ne vous dis pas que je vais vous dire, qu'en réalité, dans les années 70, les quais de Seine bas et le périph ont été en fait faits pour l'écologie. C'était pour désengorger les rues dans lesquelles les piétons passaient de voitures. Donc il y aurait toute une remise en perspective saine à faire de ces questions-là. Si vous voulez mon avis, bon, mon avis, parce que en fait, j'ai promis à Christophe de ne pas le dire, mais je vous le dis comme ça discrètement. J'ai une position très ambivalente à Paris sur la voiture. Je suis à la fois cycliste à Paris, je ne me déplace pas en voiture à Paris, même quand ma voiture était en bas de chez moi, mais je serai également pour la réouverture des quais, une limitation de vitesse beaucoup plus élevée sur le périph, et je serai même pour la construction de tunnels en fait, où tu passerais sous Paris en voiture. Voilà. Donc je suis les deux, mais ce n'est pas le sujet. On élimine ce pan-là et on se consacre à la sociologie parisienne électrice d'Hidalgo avec ma partie 1, Bobo et Racaille, les grands remplaceurs. Alors dans ma partie Bobo, premièrement, pour se reconnaître dans la candidature Hidalgo, il faut se reconnaître dans la novlangue. Hein. Sais-tu ce que c'est que la novlangue, Christophe ? Non. Eh bien la novlangue, hommage à était-ce Orwell ou était-ce Huxley, je ne sais plus, je les confonds toujours, était-ce le meilleur des mondes ou 1984, la novlangue, ce sont ces éléments de langage tirés d'une boîte à outils un peu magique. Alors ça provient des entreprises, ça provient de la culture anglo-saxonne, ça provient du management, ça provient du développement personnel, ça provient de la média politique.
ce sont ces éléments de langage qui consistent à ne plus désigner les objets par leur fonction réelle, parce que ça pourrait être menaçant, ou ça pourrait être discriminant, ça pourrait être malodorant, ça pourrait être orienté, mais à les décrire par un charabia, une espèce de blabla. Donc on a dit par exemple qu'il n'y a plus personne au pouvoir, il y a des gens en responsabilité. Parce que le pouvoir, c'est viril, c'est masculin, ça vient d'en haut, ça fait mal. Tandis que les responsabilités, c'est quelque chose, c'est féminin, ça te pèse, c'est comme la charge mentale. Ça te pèse sur les épaules, tu as le poids des responsabilités, le vice du pouvoir. Et bien de la même façon, lisons un tweet typique du compte Twitter d'Anne Hidalgo et comprenons à qui cette novlangue peut parler. Donc tweet typique du compte Twitter d'Anne Hidalgo. Mon projet de hashtag Paris, virgule, espace, capitale de la participation citoyenne inclusive et attractive, virgule, repose sur la notion d'apostrophe hashtag interculturalité, hashtag Conseil de Paris. Donc là, hein, sur une phrase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mots, je compte les mots-clés, les éléments de langage de la novlangue, projet, participation citoyenne, inclusive, attractive, interculturalité. On est à 6 sur 18, j'ai dit, donc 30% des mots, en fait, sont des hashtags, des mots-clés, des éléments de langage vidés de sens qui ne correspondent concrètement qu'au sens que veut bien lui donner la population qui s'y reconnaît. Et justement, qui s'y reconnaît dans ces mobilités douces, ces déplacements apaisés? Je ne dis pas hashtag à chaque fois, mais je pourrais, parce que ce sont ces éléments de langage tirés de son Twitter. Cette métropole inclusive et bienveillante, équitable et solidaire, cette ville-monde cosmopolite, refuge, résiliente, progressiste, diversité, respect, égalité, ces brigades vertes qui se sont substituées à la police municipale, ces brigades qui sont plus que vertes puisqu'elles sont consacrées à la tranquillité et à la sécurité de l'espace public. Qui, Christophe, dis-le-nous, qui peut s'y reconnaître? Des cadres et des employés du tertiaire. Uniquement. Un petit commerçant, une PME, un agriculteur, un petit entrepreneur du BTP, je suis désolé, ça ne se reconnaît pas dans la résilience progressiste, diverse et respectueuse. Par contre, Paris, c'est plus ces gens-là. Paris, c'est 90% d'emplois salariés du tertiaire, dont énormément de vendeuses, de chauffeurs Uber, d'agents immobiliers et de coiffeurs. Et l'Île-de-France, c'est un tiers des cadres français. Donc sur une superficie finalement de la taille d'une noisette, hein, respect par rapport à la France, un tiers des cadres en France vivent en Île-de-France. Donc Paris, ce sont des cadres et des employés du tertiaire. Les seuls à reconnaître et à décoder et à entendre comme une langue normale les éléments de langage d'Anne Hidalgo, puisqu'ils les entendent à l'entreprise, ils les entendent au bureau. C'est un petit peu comme quand on a fait une remarque, on était d'accord en plus là-dessus, tu vois, je te mouille jusqu'au cou, sur le parler maghrébo-racaille de Jean-Pierre Fangin. Beaucoup de nos... Ah oui, c'est pas vraiment des chatons, c'est quoi? C'est des caïras chatons. Nous ont dit non, ils parlent tout à fait normalement, il n'y a pas de problème, c'est l'accent belge ou l'accent suisse. C'est l'accent suisse. Vous commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je suis désolé, les gars, mais enfin, moi, je vais vous faire écouter du français populaire d'il y a 30 ans. Vous allez entendre qu'il ne parle pas comme Jean-Pierre Fangin, les gens. Non. Non, 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 je suis désolé. Hein. Donc, si vous ne l'entendez pas, ça veut dire que vous êtes gangréné, vous aussi. Hein. Au fait, Christophe, tu as compté les nombreuses requêtes pour qu'on rentre plus vite dans le vif du sujet, qu'on ne fasse plus la pub au début, etc. Je vous ai compris, comme disait De Gaulle. Je vous ai compris. Vous voyez, on est rentré dans le vif du sujet et désormais, la pub sera à peu près au milieu de la vidéo. Voilà, comme à la télé. Hein. C'est un peu rétrograde finalement, c'est un peu conservateur. On prend un peu les habitudes du vieux monde. Donc Christophe, la pub, les promos de la semaine, du mois. Pas de promo, t'as beaucoup de fric. Mais non, non, Christophe a toujours pas son Porsche Cayenne noir, à jantes noires, et à vitres noires et à intérieur noir.
J'ai toujours pas ma FF, donc voilà, Mad Consulting, séminaire, là, on babille, on rigole, on survole les sujets, enfin, on les survole déjà mieux que la plupart des youtubeurs et des influenceurs, mais là où je les creuse vraiment, là où je suis bon, là où je rayonne sur mes sujets, c'est dans le contenu payant. Tout ça, c'est sur la boutique en ligne madconsulting.fr. Voilà pour la petite publicité. Alors, Bobo Suite, je vous ai parlé de leur langage préféré, ou plutôt du seul qu'ils connaissent et du seul qu'ils comprennent. Maintenant, si on parlait un petit peu d'art contemporain, évidemment, hein, ça fait partie de la panoplie. Ces fameux théâtres, ces fameuses expositions, ces fameux vernissages dont les Parisiens s'enorgueillissent, mais finalement, quand tu comptes, ils n'y vont jamais. Ils vont au théâtre une fois par an et au musée, je crois, 2,5, mais ils te disent qu'ils ne pourraient vivre sans. Hein. L'art contemporain, donc Anne Hidalgo, il faut le savoir, hein, a été longtemps allergique en fait à l'art contemporain, dont elle se moquait volontiers même en public. Elle a désormais fait supprimer, elle a fait caviarder en fait quelques verbatims plutôt critiques et narquois à l'égard de l'art contemporain, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est en fait un lieu de pouvoir à la fois valorisant et branché qui permet de fréquenter les gens qui ne sont pas soumis à l'ISF, c'est-à-dire les grandes fortunes, voilà. On y reviendra dans quelques instants, dans la partie consacrée à l'argent à Paris et à l'attribution des marchés publics. On verra que, et d'ailleurs c'est témoigné, c'est confirmé par de nombreux élus locaux qui l'ont côtoyé. Évidemment, elle était communiste, hein, avec son premier mari, la communiste. L'ex-communiste qui roulait en coccinelle est désormais fasciné par les Bernard Arnault, l'Épineau, les Xavier Niel et compagnie, plus leur phoné, on verra qu'ils ont un phoné pour les opérations ou quand même ils ont peur que ça se voit trop, eh bien elle est fascinée par les grandes fortunes comme un lapin dans les phares de la coccinelle, Christophe. Alors, Bobo, j'ai dit 9 langues, j'ai dit art contemporain, il manque de gauche, hein, évidemment. Donc, une petite anecdote pour bien comprendre à quel point elle est de gauche. Tu te souviens d'un certain Bataclan? Tu te souviens d'un certain mois de septembre ou novembre 2015, eh bien, les agents de la ville de Paris qui ont nettoyé le sang et les viscères du Bataclan, je vous laisse quelques instants pour imaginer un mur couvert de sang et de viscères à nettoyer. Ont été reçus dans son bureau pour des remerciements officiels et ils ont reçu chacun, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Une prime, un cadeau, qu'est-ce qu'ils ont pu recevoir? Une médaille? Non. Ben, une prime. Imagine que tu aies dû nettoyer de tes mains le sang et les viscères d'innocents parsemés sur les murs au cri d'Allahu Akbar. Avec une éponge qui devient toute rouge et de l'eau savonneuse qui coule par terre couleur sang. Un psychologue gratuit? Non, une part de cake et un jus d'orange. Puis ils ont appris que leurs 976 chefs se sont, eux, partagés 550 000 euros sous forme de primes, alors qu'ils n'ont jamais vu une goutte de sang. Donc ça, c'est la gauche. Donc vous divisez, hein, hors de grandeur, Jean Covici, tout ça, vous divisez 550 000 par à peu près 1000 chefs. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près 500 euros de primes pour les managers, pour les responsables d'équipe. Et une part de cake et un jus d'orange pour ceux qui ont épongé les viscères de potentiellement vos enfants. Voilà. Ça, c'est pour la partie bobo. Mais c'est que le début. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir l'arnaque comptable, enfin l'astuce comptable, pardon. J'ai glissé. L'astuce comptable, en fait, c'est presque pire que ça. Alors, les racailles maintenant. En 2016, dans un relatif silence médiatique, l'intérimaire, hein, intérimaire, M-A-I-R-E, a orchestré, a œuvré au lancement de ce qu'elle appelait la carte citoyenne. As-tu entendu parler de cette carte? Non. Tu l'as pas, toi? Non. Tu n'es pas un citoyen du monde? Non. Eh bien, tu pourrais la voir parce qu'elle est accessible à tous les résidents parisiens à partir de 7 ans. Donc, jusque-là, c'est bon. Oui. Non, enfin, tu n'es pas résident parisien, mais enfin, tu as 7 ans. Tu as plus de 7 ans. Indépendamment de leur nationalité et de leur statut. En clair, c'est une carte officielle de résidents parisiens à des clandestins et à des sans-papiers. Mais ça, c'est pas assez novlangue, ce que je viens de te dire. Ça, c'est trop un fait, c'est trop la réalité.
en 9 langues. Comment tu dirais ce que je viens de dire là? Fais un essai de 9 langues. T'as pas l'air très, encore très fluide. Non, non, je suis pas, c'est pas, t'es pas. T'es pas fluente en 9 langues. Que c'est une carte de. Ouais, c'est. Carte de résident de. Non, de résident. Trop concret. C'est une extension du domaine de la citoyenneté et de la démocratie. Voilà. Ça, c'est tellement beau que ça me fout les poils. J'ai le nez qui picote, je suis prêt à en verser une. Là. Alors, quoi d'autre dans la partie racaille, les logements sociaux, hein, puisque les logements sociaux sont évidemment destinés aux classes populaires, mais enfin, il faut voir également ethniquement qui compose ce qu'on appelle désormais les classes populaires à Paris. Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est sa soi-disant, avec sa chasse aux voitures, c'est sa performance sur les logements sociaux qui ont été ces deux vecteurs de vote. D'après une enquête que j'ai menée autour d'une personne qui m'a rapporté les votes de trois copines à elle, échantillon hautement représentatif, ça c'est de la vraie sociologie, une personne qui m'a rapporté les propos de trois copines qui ont voté pour Hidalgo, comme quoi il faut un peu d'autodérision aussi de temps en temps, pour ceux qui prennent tout, les Jean-Michel et les Micheline avec leurs gros mollets qui prennent tout au premier degré, non, je déconne, je sais très bien que mon échantillon n'est pas représentatif, Michel, putain! 13% de logements sociaux à l'arrivée de la gauche à Paris en 2001, 21% en 2015, objectif 30% en 2030, dont 3700 dans les beaux quartiers. Donc moi, à ces chiffres-là, je veux dire, quand même, je bande. Je suis originaire des classes populaires de la société, j'ai pris l'ascenseur social à la force du poignet. Moi, on m'explique que dans Paris, il y aura 30% de classes... petite classe moyenne et d'ouvriers en 2030, je veux dire, j'ai une érection directe, quoi. C'est l'aubergine cacaotée directe. Sauf que, quand on regarde de près, on se dit plusieurs choses, quand on n'est pas complètement naïf et hébété. Premièrement, c'est que classe populaire, désormais, ça veut dire des immigrés. Et le but étant, à l'instar de ce qu'a fait le PS dans les années 80 avec le droit de vote, de générer artificiellement une diversité sociale et donc de facto ethnique, hein, puisque désormais... diversité sociale, ça va vouloir dire diversité ethnique, afin de modifier, je le disais, en profondeur la sociologie de Paris. Non, non, tu laisses. Il faut qu'on voit également dans mes mouvements de rage quand je déchire mes fiches à la Pascal Sevran, tu vois. Tu laisses tout. Je ne sais pas pourquoi tu veux changer. Pourquoi faire du dérèglement intellectuel? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Afin de modifier, disais-je, en profondeur la sociologie de Paris, pour que la gauche y devienne indéboulonnable. Donc ça, c'est une astuce que je vous avais déjà éventée. Par contre, celle que je vais maintenant vous donner, je ne vous l'avais pas éventée. Ces 3700 logements sociaux dans les beaux quartiers, eh bien, vont être le fruit d'un tour de passe-passe administratif qui s'appelle la reconvention. Sais-tu, alors toi, tu dois connaître le médecin conventionné. Tu as un peu une tête à avoir un médecin conventionné, hein, comme moi. Oui. Mais par contre, tu n'as pas un appartement reconventionné. Non. Un appartement reconventionné, c'est un appartement, en fait, tout à fait normal, que la mairie de Paris, par une signature sur un décret, requalifie administrativement en logement social. Donc, en fait, tu prends un immeuble normal, et puis petit à petit, au fur et à mesure que les appartements deviennent vacants, tu décrètes que, à partir d'un certain seuil, ça va devenir un logement social. Donc, c'est tout bénef. Premièrement, tu crées du logement social sans créer des vrais logements. Tu ne fais que les renommer, les requalifier, les reconventionner, Christophe. Voilà. Et en plus, tu fais fuir immédiatement en banlieue les classes moyennes, puisque en décrétant que c'est un logement social, du coup, les classes moyennes deviennent trop riches pour y avoir droit, mais en même temps, elles sont trop pauvres pour avoir accès au marché libre, hein, pour se payer leur mètre carré à 10, 12, 14, 16 000 euros. Donc après, bon, cette magnifique stratégie de resocialisation, de convention, de grand remplacement du centre parisien peut générer à la marge quelques petits problèmes collatéraux du type des bagarres, des meurtres, des assassinats, de la drogue, de la prostitution, et éventuellement également peut-être que les bénéficiaires des HLM dans les super beaux quartiers, hein, imagine t'as un HLM dans le 7e, dans le 16e, etc., ben en fait c'est un peu comme si t'avais une rente à vie, puisque du coup, tu réalises une économie de loyer dont le montant peut allègrement dépasser un SMIC. Et surtout, la tentation sera grande de sous-louer, finalement. Parce que ce n'est pas parce que tu as un HLM dans le 7e que tu as le salaire, que tu as le capital te permettant de vivre dans le 7e, de déjeuner dans le 7e, de faire tes courses dans le 7e, de sortir dans le 7e, etc. De t'acquitter, je ne sais pas si les HLM ont une...
ont une taxe d'habitation proportionnée ou pas. Enfin, il faudrait que je vérifie, j'ai un doute, là, j'ai été un petit peu léger. Je vous prie de m'en excuser. Enfin, bref, en tout cas, il y a un train de vie qui correspond au quartier, et l'économie, la rente dont tu bénéficies en étant locataire à loyer modéré te permet peut-être quand même pas de t'éclater dans ton quartier. Donc la tentation sera grande de faire soit du black, c'est-à-dire de sous-louer ton appartement au black plus cher que ce que tu ne le payes réellement à la new-yorkaise, ou bien d'empocher la différence, ou bien de faire du Airbnb. Bon, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'important, c'était d'évacuer la classe moyenne. Cette mission est accomplie. Donc toujours dans la partie racaillot migrants, elle a évidemment couru à l'élection de Sadiq Khan à Londres, hein, le maire de Londres. Elle a tenu à être la première à lui rendre visite. Elle a sauté dans l'Eurostar de 7h53, estimant que le premier maire musulman d'une grande capitale européenne, progressiste, humaniste et démocrate, était forcément un exemple pour tous. Donc je vous renvoie pour cela à la lecture de Welbeck, Soumission. Et je vais maintenant donc vous résumer un petit peu la problématique migrant d'Anne Hidalgo, en partant d'une déclaration sibylline ou presque pas sibylline de son maire adjoint Yann Brossa. Tu vois qui c'est Yann Brossa ? Ouais. Yann Brossa, c'est son maire adjoint, il a un peu le physique à figurer dans Gaston Lagaffe. Et puis si vous trouvez qu'il est un petit peu... Parce que tu sais que beaucoup de chatons me trouvent maniéré. Si vous me trouvez maniéré, à côté de Yann Brossa, je suis Hulk Hogan. Hein. Enfin, je ne sais pas si Hulk Hogan est très hétéro, mais enfin, à côté de Yann Brossa, si vous voulez, tout le monde est, tout le monde est super hétéro, straight, conservateur. Hein. C'est vraiment, c'est une synthèse. Hein. Cet argent, il permet de financer la politique du logement social de la mairie de Paris. Mais vous savez, tout cela est absolument transparent, absolument légal, donne lieu à des votes au Conseil de Paris, des délibérations qui sont discutées de manière démocratique. Alors c'est vrai que Mme Dati n'est pas très assidue au Conseil de Paris et qu'il est possible que ces délibérations lui aient échappé. Donc Yann Brossa a dit cyniquement, je cite, « Il est vrai que c'est l'État qui paye, NDLR, les migrants, mais nous, nous assumons de porter haut et fort notre généreuse politique d'accueil contre vents et marées. » Alors ce que ça veut dire, ça, c'est presque pas de la neuve langue, hein, t'as remarqué, c'est presque cash, hein, c'est presque clair, c'est qu'en réalité... Paris se fait fort d'accueillir des migrants dans ce qu'on appelle des camps temporaires, partant du postulat que les gens, c'est ensuite à la charge de la région et de l'État de les dispatcher. Hein? Donc la région, c'est Pécresse, l'État, bah, c'est Manu et Édouard. D'ailleurs, à l'heure où vous verrez cette vidéo, Édouard sera-t-il toujours en place? Nous l'ignorons. Vous savez que vous pouvez compter sur votre Stéphane Édouard, mais peut-être pas sur Philippe. Eh bien, en réalité, l'hypocrisie de Paris... c'est d'accueillir des gens dans des camps de fortune en postulant que l'État et la région vont les dispatcher, sachant qu'en fait, ces gens ne veulent pas partir. Puisque la définition même, ataviquement, anthropologiquement, urbanistiquement d'une ville, c'est que la ville, c'est la concentration sur une petite superficie d'opportunités de reconstituer des diasporas et de trouver du travail, d'échanger des ressources. Donc évidemment, quand tu expliques à un migrant... que tu vas passer 4 jours proche de ta diaspora, et puis qu'ensuite, au 5e, il faudra être redispatché arbitrairement par l'État dans un village perdu des Vosges, ou on ne sait où, évidemment, tu n'en es pas forcément tenté. Donc c'est là, en fait, qu'est la pierre d'achoppement, c'est là que tout bascule, c'est que dans un monde idéal, dans un monde de bisounours, dans un monde de gauche, dans un monde bienveillant, les migrants sont dispatchables. Enfin, déjà, ils ne devraient pas arriver là, mais bon, imaginons, ils sont dispatchables. Dans la réalité, hein, comme on le sait, au bout d'un certain temps, il suffit d'attendre suffisamment longtemps pour constater que la réalité n'est jamais à gauche, eh bien, les migrants, en fait, ne partent plus. Hein, ils devraient en partir 250 par jour, et en fait, il n'en part même pas la moitié. Et donc, bah, quand tu remplis une baignoire avec plus d'eau que le filet d'eau qui s'en évacue, eh bien, la baignoire augmente. Voilà. Et ensuite, on arrive à la situation de porte de la chapelle. Paris en chantier, Paris endetté, c'est ma partie 2. Hein. Comprenons la révolution sociologique, comprenons le vote Hidalgo. Alors là, nous allons parler argent pour en arriver au point d'orgue de l'astuce comptable complètement légale d'un point de vue de la légalité, mais illégale d'un point de vue moral par rapport aux générations qui vont suivre. Hein. Alors, la main mise sur les promotions immobilières. Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a à peu près 3 personnes qui achètent et qui portent tous les projets de rénovation depuis le début du mandat Hidalgo.
Exemple avec le musée des arts et traditions populaires à l'abandon depuis 2005. Rénovation, restructuration, réhabilitation confiée à Bernard Arnault, 150 millions d'euros pour une redevance de 150 000 euros par an. Donc là déjà, quand tu entends ça, tu as envie de faire une belle règle de 3, une belle division, et tu arrives au chiffre, mais à la rentabilité, à la profitabilité absolument incroyable de 1 euro. Voilà. Elle a filé un bâtiment qui va lui rapporter 1 euro par mètre carré et par mois, hein, règle de 3. Attribution donc de marché dénoncée par de nombreux élus, par exemple Nicolas Bonnet, élu communiste au Conseil de Paris, qui dénonce l'absence de tout appel d'offres et l'empressement démontré par Hidalgo à signer cette convention. Alors quand c'est pas Bernard Arnault, c'est le neveu, hein, c'est le gendre, pardon, hein, qui s'appelle Niel, Xavier Niel. Et puis quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est un troisième larron, un certain Laurent Dumas, mais des promoteurs qui ont tenu à garder l'anonymat, mais dont le témoignage a été recueilli encore une fois par Lebrun et son compère, Notre-Dame de Paris, ces entrepreneurs de niveau national, hein, à la tête d'entreprises à plusieurs millions d'euros de capital, disent que Laurent Dumas, c'est pas possible, c'est un fauné. Il a trop d'aisance financière, trop de soutien bancaire, il monte des opérations à trop haut risque que eux-mêmes, gros promoteurs, ne peuvent se permettre. Je continue, ils disent que c'est comme s'il avait des soutiens occultes. De là à dire que Laurent Dumas serait le fauné de Niel et Arnault, il n'y a qu'un pas. Donc toujours plus loin, toujours plus haut dans la suspicion, le chantier des Halles. La rénovation a été accordée à une société hollandaise Unibail, hein, présente dans son journal de campagne dès 2014, où la société avait acheté de la publicité. Donc la publicité, ça veut dire que la société l'avait payée. Donc peut-être peut-on s'autoriser à penser qu'indirectement, cet argent avait d'une façon ou d'une autre profité à la campagne d'Hidalgo. En tout cas, ça n'est pas illégal. Il est légal d'acheter des espaces publicitaires dans un journal de campagne. En tout cas, la même Unibail s'est retrouvée à être titulaire de la concession des Halles jusqu'en 2055, à des conditions jugées unanimement désavantageuses pour la ville, y compris, là on n'est plus en train de chercher un élu, adversaire politique ou maire d'arrondissement de l'autre bord, y compris par son prédécesseur Delanoë, qui a répondu à la question « Auriez-vous vendu les Halles à Unibail ?» Il a répondu « Je ne répondrai pas, j'assume ce qui a été fait uniquement jusqu'à mon départ en 2014. » Ce qui, à mots feutrés, hein, à mots couverts, en novlangue, veut quand même dire « Non, laissez-moi tranquille, j'assume pas. » Donc tu vas me dire jusque-là, après tout, peut-être qu'Unibail sont des philanthropes, à l'efficacité prouvée, avec des comptes transparents, et peut-être que la canopée des Halles est une merveille. Bon, d'accord. Éliminons d'emblée l'argument esthétique, hein, qui ne se discute pas, enfin si, qui se discute, mais qu'on ne discutera pas ici. Moi, le problème que j'ai avec Unibail, c'est que la rénovation à mi-mandat d'Hidalgo avait déjà coûté plus d'un milliard. On était à 1064 millions chiffres à mi-mandat, pas réactualisé, mais bon, à mi-mandat, c'était quand même il n'y a pas longtemps, c'était en 2017. Et sais-tu ce qu'Unibail a versé sur ces 1064 millions, combien viennent de leur poche ? 1000 ? Ouais. Je dirais 50%. Eh bien, tu dis trop. 163. Unibail va être titulaire jusqu'à 2055 d'une activité commerciale, architecturale, urbanistique, sur laquelle a été investi plus d'un milliard en ayant dépensé moins d'un sixième. Les centaines de millions restants venant, je te donne en mille, de qui ? De la ville de Paris. De la ville de Paris, de la région et de l'État. Autrement dit, toi et moi. J'ai un petit appartement à Paris, par mes taxes foncières, je finance le bien d'Unibail à 85%.
Et puis Nibaï, ce n'est pas un cas isolé. Il y a le parc des expositions, il y a la fameuse tour triangle dans le 15e. En gros, Unibail a tout simplement géré les trois plus gros chantiers parisiens de ces dernières années. Si je te dis, Christophe, DLP 15, ça te dit quelque chose ? Non. Si je te dis Association Lire, non. Si je te dis Association des psychanalystes freudiens de Géorgie, si je te dis Festival artistique israélo-palestinien, Festival de Sarajevo, Festival du film lesbien avec guide du fist fucking. Si je te dis question de genre et de travail, colloque et débat autour des questions de genre au travail, si je te dis foot LGBT, et si je te dis association IEM Zamen pour repérer les migrants âgés et isolés. Quel est le point commun entre toutes ces nobles causes, Christophe ? Ce sont des subventions versées par Notre-Dame de Paris, la ville de Paris, à des collectifs pour faire des colloques. De toute façon, dès que tu entends la phrase, dès que tu entends le mot « col », dès que ça commence par « col », hein, même « colleur », d'ailleurs, ça marche aussi, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des Français et des habitants. Mais ça, encore, c'est rien. On est en train de parler de subventions. Soyons honnêtes, ne cherchons pas à tromper les auditeurs sur les ordres de grandeur. Ce ne sont pas des centaines de millions, ce sont des milliers d'euros. Sur un budget de 8 milliards, il faut reconnaître que la ville de Paris ne se... Bah, c'est agaçant d'imaginer que tes impôts fonciers partent dans le financement d'une bibliothèque à Dakar, mais gardons raison par rapport à ce que je m'apprête à vous dire, ça n'est rien. La dette de Paris est passée de 1 milliard en 2001 au départ des Tibéries à 5,5 fin 2017. Et elle ne cesse d'augmenter. Bon, tu me diras, Rome, c'est pas mieux, c'est quasiment le double. Enfin, bon, on parle de Paris pour l'instant. À l'issue de son second mandat, chaque bébé parisien naîtra avec sur les épaules une dette de 3000 euros. Interrogé sur la croissance continue, linéaire, ininterrompue de sa dette, l'intérimaire, Notre-Dame de Paris, répond donc « Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, j'ai investi 10 milliards, dont 1,7 dans le logement. » Oui, mais, petit A, t'as investi, chérie, 1,7 milliard dans le logement, mais t'as vendu, la ville de Paris a vendu 1,3 milliard d'actifs. Donc en fait, t'as investi 400 millions. D'accord, 1,7 moins 1,3. 400 millions sur 6 ans, ça fait, Aurore, 400 divisé par 6, ça fait 50. C'est ça. Donc 50 millions par an d'investissement pur sur 8 milliards de budget, je suis désolé, ça ne me hérisse pas les poils. Ensuite, et c'est là qu'on est au clou, là on est à l'acmé de la vidéo, vous ne vous en rendez pas compte, mais là je pense qu'il faut une musique de fond pour bien réaliser. Les astuces comptables permettant à ce bilan démoniaque de surnager, c'est la première... que la ville de Paris s'endette depuis 2017 sur ses propres frais de fonctionnement. Ça n'a l'air de rien. C'est une phrase qui pourrait être de la novlangue, mais ça ne l'est pas du tout. C'est comme si, après avoir fait un crédit pour acheter votre maison, et après avoir fait un crédit pour acheter votre voiture, déjà la voiture c'est une connerie, vous faisiez un crédit pour payer votre garagiste et votre essence et votre assurance. C'est ce que fait la ville de Paris depuis 2017, c'est sourcé, c'est dans le livre Notre-Dame de Paris. La ville de Paris s'endette pour ses propres frais de fonctionnement. Deuxième astuce comptable, alors celle-ci c'est une belle novlangue là, bien lourde, ça s'appelle le rapatriement anticipé, c'est-à-dire le paiement en avance, tu m'entends bien, des loyers des immeubles qu'elle contrôle. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux et autres sociétés d'économie mixte, une société d'économie mixte, c'est une société gérée par des sociétés. Bon, c'est un montage, en gros, un peu comme une SCI, parce que les immeubles de Paris, ils ne sont pas tous à une personne, ils sont de moins en moins à une personne unique, ils sont de plus en plus à des sociétés écrans qui les représentent. Eh bien, bailleurs sociaux et sociétés d'économie mixte, sur lesquelles contrôlées en direct, en prise directe par la ville de Paris, sont enjoints depuis, encore une fois, là, très peu de temps, pour masquer le déficit et pour se faire réélire, à payer leur loyer en avance. C'est-à-dire que le prochain maire, quand il va constater l'ampleur des dégâts, ne pourra même pas compter sur l'entrée d'argent, sur le crédit
des bailleurs sociaux, en l'occurrence des HLM et compagnie, parce qu'il aura déjà été versé à Anne Hidalgo pour masquer ses impéries et son bilan. Voilà, j'ai voulu faire court, je n'y suis pas arrivé, je n'ai évidemment pas couvert l'intégralité de son programme. L'idée était de vous permettre de comprendre un petit peu sur quel levier sa valeur était perçue, sur quel levier sa candidature se jouait, d'où elle venait et qui potentiellement était susceptible d'être sensible à ses arguments. Y ai-je réussi ou pas? C'est à vous de le dire en commentaire. Cette vidéo vous a-t-elle fait sourire ou vous a-t-elle appris une information? C'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Êtes-vous intéressé par ma bobine, mon travail ou le média politique ou les relations hommes-femmes? C'est le moment de vous abonner à la chaîne. Merci Christophe. Et je pense que pour nous, c'est le moment de passer à la deuxième vidéo de la fournée. Correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.